Le scanner, c'est des logiciels d'informatique qui sont utilisés, des logiciels de traitement d'image qui sont utilisés. Et donc, c'est à vous de vous former, d'être conscient que votre métier de demain, mais ça sera l'informatique. Alors voilà, les compétences et opportunités. 808 millions de personnes qui auront besoin d'apprendre de nouvelles compétences. C'est-à-dire, quand vous présentez à un recruteur, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je suis technicien d'imagerie médicale. Je dis, ok. Et il convoque. Il attend. Il veut pas que tu dises, non, c'est tout. J'ai ma compétence est là. C'est tout. Mais quand quelqu'un d'autre doit venir me dire, bon, moi je suis technicien d'imagerie médicale, j'ai une certification en Word, en Excel, en Access, mais j'ai aussi une certification en anglais médical. Là, c'est vraiment là que tu es éliminé tout seul. Et c'est simple. Actuellement, il faut que vous mettiez dans la tête qu'en plus de votre travail de technicien d'imagerie médicale, il faut chercher à ajouter ces deux composants. Informatique et puis l'anglais. Tellement de choses, tellement de facilités pour apprendre les langues et tout et tout. Vraiment, à petits pas, quand je vois quelqu'un dire ce qu'il me dit, c'est pas la peine, c'est pas possible, là, ça me déçoit. Ouais. Donc, il faut que vous soyez. Ce que nous, on veut vous éduquer, c'est ça. Ce n'est pas de vous donner des informations, non. Dans très peu de temps, d'ici à l'horizon 2020-2030, la source principale de la connaissance sera en ligne. Maintenant, ce qu'il faut, ce que nous cherchons à vous donner, c'est plutôt de vous préparer à pouvoir retrouver ces connaissances-là. De la meilleure façon possible. Parce que tout ce qui est en ligne n'est pas forcément bon pour vous. Bravo. Donc, nous, notre travail, c'est de prospecter, de voir ce qui est bon et de vous coacher et vous orienter vers ces choses-là. Et cela suppose que vous devez avoir une base. C'est-à-dire la culture du numérique. Vous devez avoir ça en tête. Vous faites quelque chose de façon traditionnelle, hein, vous avez un registre, vous écrivez les choses et tout ça. Vous pouvez réfléchir. Vous ne pouvez pas créer une base de données, voir gérer ça automatiquement. Et où on cherche ça? Tu vas sur la plateforme. Sur la plateforme, quand tu vas sur la partie des ressources, tu demandes, écrivez ce que vous voulez. Dans la barre recherche, on a capté comment créer une base de données, tac, sur tous les pros avec les tutoriels. Peut-être que la seule chose qu'on ne comprend pas, c'est comment faire du mal. Là, ils ne vont pas trouver une application pour chercher à faire du mal. Sinon, tout ce que vous voulez écrire dans la barre de recherche, vous écrivez, vous frappez, tac, vous donnez. Test plus un film. Vous êtes. Alors, on dit que la force de travail global devront changer du travail de. Ça va changer. Il y a près de 70% des métiers qui doivent venir en 2020 ou 2030, pardon, qui ne sont pas reconnus. Et je vous ai dit que dans le métier de l'imagerie médicale, il y a un autre métier qu'on appelle le gestionnaire de PACS. Ça, vous avez fait le coup sur les PACS, il n'a pas fait, on est plus le péri. C'est-à-dire, le gars, il est là, dans un centre, il a le gel de data center. Il y a les images de tous les services. Scanner, IRM, vous êtes en première année aussi. Oui, mais c'est quoi? Là, vous êtes habillé comment? Comment? Alors, ils sont là, donc il a les images du service scalaire, il a les images de l'échographie, il a les images de la radio conventionnelle, salle 1, radio conventionnelle, salle 2,
radio numérisée et radio de Bizet. Et tout est coordonné chez lui. Et c'est lui qui gère ses images, gère les banques de données. Le test que j'ai passé à lui avant, quand on fait la radio physiquement, la radio analogique, le patient vient, lui donne son film, il va avec. S'il a perdu son film, c'est dommage. On vient reprendre. Problème de radioprotection.